Et avant les législatives, il y aura le second tour, c'est dans 2 semaines, avec une équation à prendre en compte, le vote des abstentionnistes. Ils sont 25%. Vont-ils se rendre aux urnes le 24 avril prochain? Estelle Henry est allée à la rencontre hier à Montpellier. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas pour l'instant, donc je ne me vois pas de voter au pif. Okay. Je préfère être renseigné sur le sujet, après faire un vrai vote qui me correspond. Je pars du principe que je m'adapte, peu importe qui sera élu, je m'adapterai toujours aux circonstances et voilà. Je suis pas très fière, mais c'était pour cause de congé. Et j'avais que 2 jeunes majeurs à qui je pouvais donner ma procuration. Et je voulais pas influencer leur premier vote. Au deuxième tour, je voterai, oui. Beaucoup de bonnes idées, mais vraiment beaucoup de mauvaises idées dans les programmes. Okay. Donc c'est un peu compliqué de faire un choix et du coup de donner un nom sur un papier quoi. Vous pensez voter au second tour quand même? Honnêtement, c'est encore en réflexion, mais pour l'instant c'est 50%.